Salut tout le monde, nouvelle année, nouveau néné. J'aurais pu aussi vous parler plus longuement du côté sombre de ma putain de fenêtre qui rend Vegeta affreusement énervant. Bah voilà, au moins ça c'est dit. Patron. Ça fait 5 minutes qu'il n'y a pas eu de combat, les gens commencent à rire sur la logique du scénario. Qu'est-ce que vous foutez, vous voyez Vegeta dans l'espace. Oh. Arrêtez de parler. Parle à ma main. Raison numéro 1 de ne pas aimer Dragon Ball GT. Vegeta avec une GT. Heureusement qu'ils ont changé en cours de route. Raison numéro 2, Trunks est devenu une piole. Raison numéro 3. Dans absolument tous les épisodes, Vegeta va essayer de se farcir un vieux chinois. Oh. Corrida et... Oh, j'ai quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mon petit, je vais te faire un frottis. Oh. Hey, tu veux te battre contre les forces du mal à Corridaï? Facile! Je peux faire d'un rire un rêve. Je peux faire d'un riz tout blanc, tout un plat vraiment tout blanc. Tenez. Tanzanie, aussi. Vraiment? Aussi. Old Godzilla was hopping around Tokyo City like a big playground when suddenly Batman burst from the shade and hit Godzilla with a bat grenade. Godzilla got pissed and began to attack, but didn't expect to be blocked by Shaq, who proceeded to open up a can of Shaq Fu when Aaron Carter came out of the blue and he started beating up Shaquille O'Neal. Then they both got flattened by the Batmobile, but before he could make it back to the Batcave, Abraham Lincoln popped out of his grave and took an AK-47 out from under his hat. On se fout un peu de ma gueule, c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ah oh, 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 oh.